Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Je vous représente le glitch solo. Il est toujours pas patché. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est à faire. C'est un glitch ultra facile. Il va vous falloir quand même quelques petits éléments pour le faire. Donc si vous avez pas tout, je vous mets dans la description le braquage à mode élite. Vous allez faire 1 050 000 en 10 minutes. Donc vous n'avez pas d'excuses pour pas le faire, d'accord les potos? Donc en premier temps, il vous faudra être en session sur invitation. C'est obligatoire. Sinon le bug ne marchera pas. Il va vous falloir un complexe, un camion mock, un garage plein de RH8, le complexe plein avec au moins une custom dedans. Donc on va faire ça avec une Eligi custom. Et avoir fait au moins une mission de braquage pour avoir l'invitation Lester dans votre téléphone. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes opérationnel les gars. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais vous montrer la Eligi RH8. Donc elle est full custom, elle va me rapporter 980 000 $. D'accord? Donc il vous faudra pas en vendre beaucoup non plus d'affilée. Vous en vendez 4-5 par jour, ça vous fait 5 millions par jour, c'est bon. Mais déjà, vous allez pouvoir remplir tous vos garages avec ce véhicule. Donc la méthode, elle est très très facile. Encore un GG à Tuto Facile France, les gars. Abonnez-vous à lui. C'est lui qui a trouvé le glitch. Tout le monde l'a repris, mais c'est le sien. Donc là, on va vérifier que les complexes, il est plein. Et que j'ai assez de RH8 ou de Fajo, si vous voulez, dans les garages du braquage. Donc en fait, quand vous lancez le braquage, ça va vous envoyer dans un immeuble. Et là, vous aurez accès à 3 garages minimum. Donc moi, je vous conseille d'acheter ces 3 garages, de les remplir full de l'Eligi RH8 gratuite. Et on va pouvoir faire cette duplication en illimité. Donc là, il faudra l'Avenger aussi. Donc ça, ça s'achète dans SecuroServe, dans Warstock. Et il vous faut le camion. Et dans le camion, en module 3, il vous faudra le dépôt de véhicule personnel. Donc on puisse rentrer le véhicule, la duplication et la valider dans le camion. Donc les gars, session sur invitation. Là maintenant, on va aller chercher le message de Lester. D'accord? Je ne l'ai pas encore reçu. Il vous faudra sortir et attendre 2-3 minutes. Après, Lester vous le renverra automatiquement. Dès que vous allez réapparaître au complexe, vous verrez votre message Lester sur la gauche. Et vous pourrez enchaîner les duplications. Donc Lester, c'est pas un problème. Ça va vite. Vous allez vite pouvoir le relancer. Donc là, vous bougez un peu, vous prenez une voiture, vous mettez en PDG, en SecuroServe. Jusqu'à temps que Lester vous envoie le petit message vert. Donc ça sera pas le bleu du complexe, hein. C'est le message vert. Donc environ 2-3 minutes la première fois, après c'est illico presto. Vous allez enchaîner des duplications les gars. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le lien Facebook. Il y a le lien pour le braquage. Je vous le mets de suite. Le lien pour le braquage en mode élite. 1 050 000 en 10 minutes.
Vous avez le lien du crew, crew ADH, fouille 1034. Les gars, vous êtes les bienvenus. On est 170, peut-être 180 maintenant. Vous êtes les bienvenus, les potos. Donc je recrute en masse. Un petit pouce, abonnez-vous, mettez la cloche, les gars, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez les glitches direct. Dès qu'ils sont sortis, vous pourrez visiter le glitch et vous connecter si vous ne l'êtes pas. Là, il faut attendre un petit peu. Donc aussi, je vous ai sorti, je vais vous le mettre dans la description. Il y a une méthode pour avoir vos véhicules personnels dans les véhicules spéciaux. Donc ça veut dire que vous pourrez les appeler en illimité sans délai de mécano. Regardez bien cette vidéo, elle tue. Donc là, c'est bon, j'ai mon message Lester, on va rentrer faire le glitch. Donc j'ai tout de préparé. Session sur invitation, surtout n'oubliez pas. Ça peut arriver d'oublier. Mais voilà, session sur invitation, braquage, complexe plein, parce qu'on va avoir besoin du message du complexe. Si possible, les trois garages de votre braquage remplis de RH8 ou avec la place que vous avez. Et là, je vais préparer une activité récente. Vous avez vu, j'ai fait PS, je suis allé dans profil, activité récente, et acheter un nouveau véhicule ou alors acheter une arme. Et là, vous allez mettre le curseur, comme ça vous êtes prêt sur lancer GTA Online. Voilà les potos, avec ça, on fait le glitch. Il va être, vous allez halluciner, c'est trop facile. No timing. Donc pour Xbox, ça marchera aussi. Vous aurez juste à faire un autre bug au niveau de la porte. Donc nous, on va faire PS, deux fois PS. Vous, vous allez avoir une visée libre. Et vous allez rejoindre quelqu'un en visée assistée. Donc vous allez rejoindre session. Dès que vous allez vous voir dans l'Avenger, vous allez valider la porte. Et vous allez accepter le premier message noir. Et vous allez refuser le deuxième de la visée automatique. Et là, vous serez buggé comme nous. Donc nous, c'est l'inverse. On clique. Ouvrir la porte, on fait deux fois PS, lancer GTA Online et on refuse le message. Et ça va nous bugger comme ça. Donc soyez assez rapide ou sinon vous allez finir dans l'Avenger. Vous aurez juste à refaire le glitch de la porte. C'est pas un problème si vous ratez. Faut être assez dynamique pour faire cette manip. Derrière, vous allez lancer le braquage. Vous allez vous retrouver au tableau, vous faites rond, vous quittez le braquage. Et là, vous aurez deux choix. Ou vous rentrez dans le garage, vous prenez le véhicule RH8 dans le garage du braquage. Ou alors vous sortez de l'appartement et là, vous aurez accès aux trois garages. D'accord? Ne sortez pas du garage à pied, vous allez défriser. Donc moi, là, je vais vous montrer à faire un autre garage que celui du braquage. Donc je sors à pied. Je ne pourrai pas sauter rien, je pourrai juste aller dans les garages. Là, vous voyez, je peux même pas sauter, donc je suis obligé de prendre le chemin par la route. Et je vais avoir le choix des garages d'El Pérou. D'accord? Par exemple, là, vous pouvez peut-être faire 30 duplications d'un seul coup sans faire de switch, rien du tout. Allez, c'est parti, on va récupérer le véhicule. Donc on va monter dans une RH8, on va la laisser démarrer et on va sortir avec le véhicule et on va atterrir directement au complexe. Donc on est buggé au complexe au final. Une fois que vous êtes dehors, vous laissez réapparaître l'écran et vous rentrez le véhicule dans le complexe. Ça va vous mettre le message complexe plein, vous validez, vous l'acceptez. On va switcher maintenant
avec la custom qu'on a gardée dans le garage, dans le complexe. Donc, ma rétro custom, elle part dans le garage d'où je sors la RH8. Et ici, il me restera la duplication. Il manquera plus qu'à la valider dans le camion mock. Donc, on va aller la rentrer dans le camion mock. Et là, ça sera vraiment votre véhicule. C'est pas plus dur que ça, les gars. Donc, ce glitch-là, c'est plaque propre. À chaque fois, vous allez récupérer la plaque de la RH8 ou du Fadio. Donc, c'est très bien. Plaque sale, ça veut dire que c'est toujours la même plaque. Et c'est pas bon. À force que vous allez vendre, votre limite quotidienne va vite baisser. Et ensuite, vous allez vendre vos véhicules à 15, 20 000 dollars au lieu de 950 000. Donc, ne faites pas les glitches avec des plaques sales. Ou pire, si c'est un glitch plaque sale, vous mettez une plaque custom et elle va se dupliquer à chaque fois. Donc là, vous voyez, 390, on va sortir et on va avoir la plaque de la RH8 064. Allez, maintenant vous descendez, vous ouvrez votre pavé tactile, vous commandez votre camion mock. Et vous prenez cette voiture et vous allez le mettre dans le camion mock. Et là, la duplication, elle est validée. Définitivement. Et pour recommencer la manip, il vous faudra simplement récupérer le véhicule du camion et le remettre dans votre complexe plein. Pensez toujours à votre complexe qui soit plein. Là, je vais aller sauvegarder le véhicule. Encore merci de votre soutien, les potos. Lâchez un petit pouce si ça vous a plu. Parlez-en un peu à vos amis. Donc, moi j'ai arrêté 2-3 mois et j'espère que la chaîne va repartir comme avant. En tout cas, moi je suis chaud bouillant. Ça y est. Voilà, donc là le véhicule est dupliqué. C'est celle-là la duplication. J'ai juste à la ramener à mon complexe pour la refaire la méthode directe. Donc mon braquage je l'ai déjà. Mon activité récente elle est déjà prête. Allez aussi, dépêchez-vous, allez voir la vidéo pour mettre, exemple, votre Deluxo, votre Night Shark, votre Duco Dead, vos véhicules blindés qui rentrent dans le custom, d'accord? Donc on ne pourra pas faire l'APC parce qu'il rentre dans le camion, lui, pour le customiser. Donc c'est une méthode super facile. Et en fait, vous allez mettre vos véhicules personnels que vous utilisez le plus dans vos véhicules spéciaux. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir leur appeler indéfiniment. Que normalement, vous appelez un véhicule, vous avez les délais de mécano et c'est réglé. Vous êtes obligé d'attendre 4 minutes. Sauf que là, vous pouvez renvoyer véhicule et changer de véhicule. Voilà. Tant de fois que vous voulez. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Partagez les gars, dites-le à tout le monde parce que ça va pas durer longtemps. Ça fait déjà une semaine qu'on a ce glitch solo et ça va pas durer. Donc faites ça vite, au moins ça sera sauvegardé dans vos véhicules spéciaux. Donc vous allez perdre votre véhicule spécial, mais au final vous allez avoir votre véhicule blindé ou votre Deluxo qui vole et elle va spawn à vos pieds. Donc voilà, là je recommence la méthode, 2 fois PS. Je lance le braquage. Une fois que je suis dans le braquage, j'ai le choix.
Donc là, je vais aller directement dans le garage du braquage. Je récupère la RH8. Je lui laisserai le temps de démarrer. Et je sors en accélérant. Poteau, franchement, plaque propre, glitch super facile. Allez, remercie Tuto Facile France pour son travail. Franchement, il déchire. Il est trop fort. Vous rentrez le véhicule dans le complexe, plein, bien sûr, parce qu'on a besoin du switcher. On va switcher avec la custom rétro. Et on va rester avec la duplication dans le complexe. On va aller chercher la duplication pour aller la sauvegarder dans le camion mock. Donc vous trompez pas, sortez bien avec la voiture qui est dupliquée. Là, vous descendez de votre véhicule, plaque propre, faites pavé tactile. Centre d'opération mobile, vous demandez votre camion et vous allez mettre le véhicule dans votre camion. Poto, une tuerie ou pas? Hashtag tuto Facile France, les gars. C'est un glitch qui a pas le temps. Bon, en tout cas, je répète, n'hésitez pas à aller voir le braquage mode élite, Bogdan, le glitch pour avoir les véhicules spéciaux et le solo, les gars. C'est une tuerie. Vous avez de quoi faire, moi, je vous le dis. Là, on est en place en ce moment. En plus, ils tiennent le coup, ces glitches. Donc, aidez vos potos, là, que tout le monde s'enrichisse. On est là pour ça. Les gars, je vous dis à bientôt. Bon glitch à vous tous. Ciao, à bientôt.